Abonnez-vous, mes amis. Ça, c'est la nouvelle version déjà. Abonnez-vous. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez n'oublier surtout pas la cloche qui est tout en bas là. Pour avoir tout le temps mes vidéos. Chaque fois que je vais poster une vidéo, vous verrez ma vidéo. Donc, ça va être pendant un temps. Je vais voir ce que ça va donner. L'introduction, voilà, c'est pour Dieu si souvent, tout ceci. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Je viens avec une vidéo. Donc, vraiment, je vous fais cadeau, mes soeurs et mes filles. Ça, c'est une astuce, vraiment un cadeau. Maintenant, je vais vraiment vous donner l'astuce là jusqu'à la fin. Donc, si votre mari est avare, je dis bien, il y a des hommes comme ça. Ils ont l'argent, mais ils font d'abord souffrir leur femme. Leur femme et enfant. Ou bien, ils préfèrent m'aller donner ça ailleurs que dans la maison. Les femmes, mes enfants, mes soeurs, mes copines, pardon, faites quelque chose, quel qu'en soit, n'attendez pas tout le temps l'homme. Cherchez quelque chose, nous sommes en 2019, cherchez quelque chose. On a la chance maintenant qu'il y a vraiment, on a plusieurs choses qui nous facilitent la tâche de vendre. Il y a les réseaux sociaux, il y a plusieurs que vous pouvez faire votre publicité. Faites quel qu'en soit ce que vous faites, faites quelque chose, ça va aider. Ça va même vous libérer de cet homme-là. Et surtout, quand l'homme, si l'homme-là, c'est quelqu'un gars qui est jaloux, il se va même encore être plus jaloux qu'avant. Parce qu'il est jaloux, la jalousie qui tue là, que pourquoi tu as, c'est un peu ça. Et ça tue. Donc, si votre mari est avare, ce n'est pas cet argent-là, parce que je n'ai pas un billet là. J'allais plutôt poser des billets là. Donc, vous avez besoin, je fais tout pour tout, faites l'effort. Je dis bien l'effort qui vous donne son argent. Un billet. Faites l'effort qui vous donne un billet. Prenez ce billet là. Mettez ça dans un seau d'eau. Moi, je vous conseille de mettre du sel gros grain. Ou bien du sel de cuisine, mais on peut mettre du sel de cuisine. Lavez-vous correctement. Prenez donc lavez-vous correctement. Vous lavez le billet là dans votre seau d'eau. Vous enlevez et vous allez vous laver en faisant vos vœux. Lavez-vous avec l'eau là. Vous allez faire ça deux fois de suite. Après, allez sécher ce billet là. Comme je dis là, j'espère que je me suis fait comprendre. Je reprends. Donc, faites l'effort que le gars là vous donne son argent, un billet. Vous allez prendre ça et mettre ça dans un seau d'eau, dans l'eau de rinçage. Après, vous allez enlever, vous allez prendre le billet là, mettre ça dans l'eau de rinçage que vous allez, bon, essayer de, comment dire, de mélanger comme ça avec l'eau. Il ne faut pas casser le billet, mélanger ça comme ça avec l'eau. Allez sécher ça, prenez l'eau là, lavez-vous avec. Donc, je préfère que ça soit le matin, soit le soir, mais de préférence le soir, c'est souvent mieux le soir. Répétez cette histoire-là deux fois, pendant deux jours. Et après, allez utiliser cet argent-là en faisant vos vœux. Vraiment, là, j'espère pas que le gars là va encore vous oublier. Il va tout le temps vous aider, vous donner de l'argent, quoi, même sans même que vous lui demandez. Je pense bien, je ne sais pas. Mais qui ne risque rien à rien, c'est une astuce naturelle. Je ne dis pas que c'est la magie. Vous pouvez même transformer ça en magie. Parce que ce qui sort dans votre bouche, c'est ça qui est la magie, mes amis. Voilà encore, voilà ma vidéo. Donc, si vous avez autre chose à ajouter dans ça, vous pouvez ajouter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt, bye bye. C'est un cadeau.